quatre gamers passionnés. Emeric, Kevin, Thierry, Mehdi. Filmé 24 heures sur 24 pendant toute une demi-journée. 4 caméras, 2 techniciens, 30 mètres carrés loi Carrez. À la fin de l'expérience, il n'en restera plus qu'un. Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est The Game, l'expérience. 4 candidats, des jeux sur lesquels s'affronter avec à la clé une biographie du gagnant écrite par Florent Gorge lui-même, et c'est aujourd'hui que nos prétendants vont disputer leur toute première épreuve. Alors que Thierry et Mehdi sont plutôt confiants quant à leur capacité à gagner les défis, Kevin, lui, fait preuve d'un peu plus d'humilité. Bon, Emeric, on le connaît maintenant, hein, de son côté commence à gentiment vanner, et vous allez voir que cette stratégie peut s'avérer payante. On rappelle que le gagnant de l'épreuve de Versus à 4 gagne le droit de choisir son adversaire pour l'épreuve de duel qui, elle, rapporte des vrais points. C'est hyper important et hyper stratégique. Qui de nos 4 pistoleros sera le meilleur à ce classique qu'est GoldenEye? Qui du clan des jeunes ou des vieux arrivera à tirer son épingle du jeu? Bah, la réponse est tout de suite dans l'émission, dans The Game, l'expérience. On regarde, mais vite! T'es où là? Non, je suis malade. J'étais en train de s'entraîner et tout ça. Ce qui est cool dans ce genre de jeu, c'est que tu vois la stratégie. Alors que les 4 candidats prennent leur marque dans la maison du jeu vidéo, l'heure de la première épreuve a déjà sonné. Ne dit-on pas que l'heure, c'est l'heure? Par contre, apparemment, il y a un participant mystère, ça je sais. Ah, là, maintenant, tu t'arrêtes de bouger. Attends, on m'avait pas mis au courant. D'accord, ça c'est le Golden Yon. Et du coup, tu l'as trouvé où? En fait, c'était dessus, je crois que tu l'as même. Ah non, ouais, non, ouais. Si, et tu vois mon écran, et il me semble qu'il se trouve servir un petit verre, t'as pas beaucoup de balles, en fait, le désavantage du Golden Yon. Tu veux boire quelque chose? Ouais. Je te sers un truc? Ouais, s'il te plaît, ouais. Ouais. C'est pareil que toi. Pareil que moi? Ouais. Ok. Alors... C'est une prise de risque. Mais lorsque t'as le Golden Gun, tu peux pas avoir une autre arme. T'as pas la si, si, tu si, as tu toutes peux. Les armes. Juste que tu dois changer, d'arme en arme ensuite. Mais quand t'as le Golden Gun, effectivement, il faut que tu utilises le Golden Gun. Parce que si t'arrives à choper le mec comme ça. Et tu peux regarder. Et voilà. Ok. Alors je viens d'arriver là dans l'espèce de loft avec la piscine et tout. On a des petites discussions avant de commencer les matchs et ils commencent déjà à chercher des excuses. Donc on va voir comment ça va se passer pour les premiers matchs. Je crois que c'est sur GoldenEye. Je pars assez confiant, mais j'aurais pas cette confiance dans tous les jeux non plus. Et sinon on commence à jouer quand exactement? On devrait pas tarder, quand vous êtes chaud. C'est quand on aura. Et quand on nous donne le signal. Normalement, voilà, c'est ça. Il y a le maître des jeux qui changera beaucoup de fois de nom. Ouais, je pense. Au fil de l'aventure, qui nous donne le signal pour aller commencer le défi. Ah, serait-ce le signal pour. Oui, dans ces cas-là, on regarde on en haut. Là. Parce qu'en télé-réalité, on regarde toujours en haut. Ouais, comme ça. Ils entendent des trucs qui viennent d'en haut, donc comme des caves, ils regardent en haut. Comme nous, quoi. C'est ce qu'on vient bah, de faire. Bah, c'est ça, exactement. C'est. Ok, donc, première épreuve. Ok. Donc j'ai la manette jaune. Moi j'ai la manette grise. T'as l'officiel. T'as la première. La première officielle. Il faut que je tienne ma manette comme ça. Eh ben attends, c'est Grace Jones? Bah ouais. Bah oui. Enfin, t'as ensuite des invités. Elle était pas dans GoldenEye. Ouais, mais oui, là il y en a plein qui sont issus des anciens. Elle était dans Dangereusement Vôtre. Ah d'accord, ok. J'ai la tête de moi, je vais prendre Grace Jones. Bah vas-y. Bah, oui, mais en plus, comme tu dis, ça ressemble à ton compte. Ouais. Mishkin, c'était qui ça déjà? Mishkin, c'est le pauvre. Bah ouais, moi je le prends pour ça en tout cas. Mishkin. Mais après, je sais pas d'où il vient du tout. Ah, je suis en train de spoiler. Allez, bonne chance à tout le monde. Attends, on est où? Ah oui, je suis. Ok. Ta-da. Alors, c'est-à-dire que le Atemi, il tue aussi dans Mission City. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, il y a quelqu'un au chien. Connard qui est pas loin. Ah putain, mais moi je suis encerclé, j'ai pas d'armes, je sais pas quoi faire. Je suis le seul à pas avoir d'armes. Oh putain, y'a un radar. Oh putain. Enfoiré. Oh non, je suis super loin là. Ah putain. Attends. Oh, je vais te mettre un Atemi, je te jure que je vais te mettre cet Atemi. Atemise-le. Oh. Oh putain, mais attends, mais je t'ai tourné autour de 1000 ans. Attends, mais quand est-ce que... C'est ah, parce oui, que c'est... J'appuie sur quoi? Ah. Ah bah ouais, merci les mecs. Allez, merci, pas c'est gentil. Aller à la piscine tout à l'heure. Non. Oh, quoi? Oh, oh oui. Oh. T'as fait du killstreak? Oh, killstreak. Oh. Porte, ouvre-toi.
Non, non, c'est pas vrai. Oh, je l'ai tué. On s'est tués ensemble. C'est beau, oh, c'est beau, c'est beau. Ils attendaient vraiment de nous à ce qu'on arrive à viser et tout, tout en... On peut pas se déplacer en visant, c'est ça? Ben non. Oh, oh, non. Peut-être. Oh bah non, dans le dos. Qui m'a tiré dans le dos, là? C'est Emery. C'est peut-être moi. Je ne sais pas. Oh. D'où? C'est qui m'a tué? C'est peut-être moi. Ah mais tu... D'accord, vraiment, tu sais pas du d'accord, tout de... C'est d'accord, ok. Je m'en okay, donner le manège, j'essaie de... D'accord. Comment on touche les gens? J'ai tiré une heure. J'ai tiré une heure, j'ai pas touché le mec. Oh non. Oh oui. Non, oh non, 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 je viens de respawner, t'as pas le droit de me tuer. Je viens de respawner. Je viens de respawner. Y'a pas de parole, t'as pas de parole. Je viens de respawner. Ah, j'atémise, j'atémise. Ah, bah... Mais non, mais attends, mais les athémis, on peut toucher des gens avec un athémis ou pas? Ouais, mais faut vraiment le mettre sur la nuque. Oh, oh attends, mais oh, t'es tout petit. Athémisé. En fait, en prenant Jaws, il faut que je baisse ma vue, je sinon je peux toucher athémisé. Personne. Athémisé. Il reste une minute, les gars, il reste une minute. Mais... Non, non, mais 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 non, bah non. Parce que je suis... Bah non, ah, tu vois. Et il reste une minute, les gars. Body armor, mais je m'en fous. Allez, mais allez, ouvre-toi, là. Chétage. Putain de... J'y comprends rien au radar, hein, par contre. Oui, il y a j'ai l'impression d'être devant les gens. Que tu, il se peut que tu sois juste au-dessus ou en dessous de lui. Ah ouais, bah oui, mais forcément aussi. C'est bon, Thierry, t'as retrouvé le chemin vers les autres. J'ai pas d'armes. Ok. Eh, hey, troisième, je suis même... Oh là là, ça va. Bah, moi, ça a été une cata. Putain, le ratio... Attends, qui... en haut à gauche, c'est qui? C'est Emric. Non, non, non. Ah, j'étais en haut en gauche. Non, je me suis trompé d'écran. Ah, j'ai joué à un autre écran pendant toute la partie. Ah putain, on recommence. Allez, on recommence l'année prochaine. Tu me vénères, Emric, j'étais pas loin. J'étais donc, pas loin. Emric, qu'est-ce qui se passe là? C'est moi de, c'est moi de choisir Là, t'es premier, tu choisiras contre qui tu te bats en premier pour le mini tournoi du jeu du prochain jeu. Ok. Donc, GoldenEye, je suis vraiment content de moi parce que j'ai pas fini dernier. Je pensais vraiment finir dernier. Je ne comprends rien à ce jeu. Il se trouve que contrairement à beaucoup, c'est pas un jeu auquel j'ai énormément joué à l'époque de sa sortie, tout simplement parce que j'avais pas de 64 et que j'avais pas énormément de potes qui en avaient non plus. Donc j'ai pas beaucoup joué à ça. Et là, donc j'ai à peine pris en main. Je comprends rien. Quand t'es habitué à FPS moderne aujourd'hui, c'est injouable. Et je pensais vraiment finir dernier, mais non, je finis avant-dernier. Donc je suis très très content de moi avec un kill à l'Athémie sur Thierry, dont je pense la communauté vidéoludique dans son ensemble se souviendra longtemps. Bon, GoldenEye, c'est clairement pas mon jeu. Hein. Donc évidemment, moi à l'époque, comme je le disais, je jouais à Duke Nukem 3D et à Shadow Warrior. Donc c'était sur PC, ça allait à toute vitesse, on jouait à je sais pas combien, c'était top. Là, on se retrouve avec des persos carrés, ça tourne à 20 images par seconde, on voit quasiment rien, c'est super lent. Voilà, viser, c'est une catastrophe. C'était tout nu. J'ai passé mon temps à essayer d'ouvrir des portes, donc c'était assez frustrant dans un FPS. Non, mais c'est vrai que même pour ouvrir les portes, c'est pas facile. Je t'appuie sur un bouton. Non, bah ouais, là, mais ouais, elle s'ouvre pas entièrement. Parce que donc tu spammes le bouton, et donc du coup, tu l'ouvres et tu la fermes à chaque fois. Bah ouais, mais c'est idiot. C'est bah idiot. Non, c'est normal, tu t'appuies sur un bouton, action ouvrir, action fermer. Alors, on vient de faire un premier match sur GoldenEye, et effectivement, il se trouve que j'ai gagné. Mais il faut savoir que moi, j'ai une histoire avec la 64. La Nintendo 64, c'était ma première console. Et j'ai passé des heures et des heures dessus. Donc voilà. C'est juste un juste retour des choses. Wow, arrêtez tout, Emric sort vainqueur du Versus A4, wow, stoppez les rotatives, on s'arrête un petit peu, wow, j'aurais jamais cru qu'il gagnerait, Emric, bravo Emric. Donc il fait gagner au clan des minorités une certaine avance par rapport au clan de l'establishment, hein, seulement aveuglé par la confiance, attention Emric, il décide d'affronter Mehdi Bedok au jeu de tennis, aïe, attention Emric. Rappelons que les duels à 1 contre 1 se déroulent à la manière d'un mini tournoi avec 4 matchs en tout, dont la finale des perdants et celle des gagnants, bien sûr. On voit un petit peu les points. Donc celui qui sort victorieux engrange 3 points, son adversaire en finale 2 points, le gagnant de la finale des losers 1 point, et en fait, et le 0 pointé pour celui qui n'aura pas su s'illustrer. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Nos candidats sont chauds, ils sont brûlants, ils sont caliente. La température sur le Gamers Field augmente, et ça tombe bien parce qu'il est l'heure de s'affronter sur le redoutable Smash Court Tennis sur Super Nintendo. Attention les gamers, gare au Welsh Quit, c'est parti. Je regarde, ouh, là, ouh, là, je regarde partout, j'ai tellement de télé. Bon, bah c'était... Qui c'est qui a gagné? Ouais, c'est Emric qui a gagné. C'est Emric, ouais. C'est Emric qui va choisir. Après avoir joué à ça, tu as une idée de...
Ah oui, contre qui tu vas vouloir jouer en première? Bah Médoc, tu veux jouer contre moi? Ah ouais? Parce que tu penses que t'as vraiment une chance de gagner contre moi? C'est ce qui était sous-entendu en fait. Super, j'espère que ça fume. Non mais le truc c'est que je pense que la plupart attends, des gens j'appelle les Médoc, pompiers hein. Parce qu'il vient de te brûler. Moi je vais chiller dans la piscine, ça m'intéresse même pas vos compétitions tout ça là. Attends, est-ce que t'es en train de dire que pendant que nous on est dans notre jalousie, moi je suis dans mon jacuzzi exactement. Alors moi je suis qui? Tony, t'es en haut. Tu penses? T'es en haut. Je suis en haut. Vas-y. Ouh joli. C'est bien, il y a un échange direct. Eh, hey, ça joue, hein. Ça joue. Ouais, ouais bien, oh. Putain. Oh, il est ouh, là, il a failli... Oh, oh. Ça prouve que le sol est bien ciré, tu vois, déjà. On voit, il est brillant, il y a des reflets dessus. Ah, mais c'est ah vas-y, non. Oh, non, 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 non. C'est quoi, le temps? C'est mes manettes. On jette pas les manettes par terre. Ah, il râle! Ah, j'y crois pas. La manette de la tienne! Elle est tombée! Malencontreusement! Ah, c'est du genre à rage-couter, quoi! Le mec, il rage! Ah, c'est bon ça! Vas-y, je te laisse enchaîner. Bah, alors, moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que j'ai perdu, mais c'était parce que j'avais un problème de manette. En fait, quand on a pu voir, la manette glissait, elle est tombée de mes mains, genre, totalement malencontreusement. Enfin, j'étais totalement témoin, non? Ouais, j'étais sur place, effectivement. C'est vrai que. Bon, après, j'ai voulu jouer sport, donc j'ai continué. Mais, bien sûr. Voilà, mais t'as continué, tu veux que je te dise? J'étais désavantagé, quoi. T'as continué à l'instar d'un Julian Ross dans Captain Tsubasa, enfin dans Olivier Tom en l'occurrence, qui s'est blessé, qui a mal au cœur, même comme ouais. Olivier Tom, tu vois, qui s'est blessé, mais ouais. t'as voulu continuer quand même parce que tu voulais terminer le match. Et ça, d'un point de vue sportif, bah, voilà. Moi je trouve ça excessivement Coubertin. Ouais. Voilà, mmh. Ça, je voulais laisser une chance et. Oh, oh, ouais. Allez. Ouais. Je crois que c'est moi qui commence à ça. Attends, juste deux secondes avant de, ouais, de voir sur juste... Ouais. Ok, c'est bon. Oh Ace. Ah, Ace d'emblée. Je le sens mal. Je le sens mal, ce jeu. Ça joue... Touch. Oh, sérieusement, ils existent, ces coups. C'est trop beau. Official, là. Bah ouais, mais apparemment, ça t'intéresse pas trop, donc... Non, mais... Tu rigoles ou quoi? C'est qui? Oh là là, magnifique, magnifique. Je suis celui qui a perdu. Bon, ben premier défi sur le jeu de tennis dont j'ai oublié le nom. Ben, je me suis fait éclater, j'ai fini dernier, donc pas de points. Pas de points, c'est dommage parce que le tennis, je me disais que c'était un des jeux où il y avait moyen d'arnaquer un petit peu. C'est peut-être bien que ce soit Thierry qui ait gagné plutôt que Mehdi, parce que Mehdi, apparemment, si on en croit ses paroles, il est imbattable sur ce qui arrive après, alors que Thierry a l'air moins confiant sur ce qui arrive après. Donc bon, la prochaine, demain, je crois que ça va bien se passer pour moi, vu le jeu sur lequel on va jouer, et après-demain aussi, donc ça peut se rattraper tout ça. Je te préviens, je vais faire du bruit à chacun de mes services. Oh, tu peux y aller, rien ne me déconcentre. Dis-moi juste, je suis où? T'es en bas. Ouais, mytho. Mytho, putain. Tu viens de servir, là. Oh, non, non, non. Non, 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 j'étais là. Oh, elle peut. Yes. Non. Ah ouais, normal. Mais non, bah non. Tout pourri. Le truc, la clé, c'est de varier ses services. Non, mais c'est très, très important. Regarde-moi mes deux quand je parle. Hey, non, là non, non. Attends, il est mais pour ça, moi c'est... le jeu là ou c'est... Là, le jeu, ouais, tu... Yes. Ah, c'est pas fini. Bah non. Mais là, du coup, c'est le vrai équivalent du service à la cuillère. La chronicoma, à chaque service. Oh Ace! C'est un bug. Oh c'est le vent, quand tu es sur cette... Sur oh deuxième Ace Federer sort de cette manette. Le FedEx. Oh troisième Ace. Je blanc presque. Oh je blanc. Je blanc. White game. White, blanco. J'ai eu un moment d'absence. J'ai eu un moment t'as d'absence. Pas compris. Lapin, je sais pas ce qui s'est passé. Lapin compris. Oh balle de match. Balle de match, j'ai deux balles de match. Comment gères-tu cette tension, Thierry? Comme ça. Ah, comme ça. Et... Mais c'est, après, les grands joueurs, c'est ceux qui savent juste être forts dans les points importants, tu vois. Ouh,
voilà, deux balles de match sauvées. Ces mecs qui te rattrapent les balles de match, c'est eux les vrais grands joueurs en fait. Donc là, il s'agit. Oh là là, Mehdi. Balle de match, balle de match. Ressaisis-toi maintenant là. Oh mais non, faut arrêter de viser les... Yes. Ça temporise avec un petit coup de pute. Non, mais c'est faux. Voilà. Oh là là. La peur de gagner. Oh, oh yes. Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Bah oui. Mais Médoc, faut se serrer la main quand même. Non. Bah oui, mais t'es pas là sur les points importants. T'as tout ce qu'il faut pour gagner. T'as tout ce qu'il faut pour gagner, mais t'es pas là sur les points importants. Excusez-moi, c'est dommage. Vais aller au confessionnal pour gloser un peu. Vas-y, bah, ouais, tu peux. C'est dommage. Je respire. Enfin, l'air de rien, quand même, j'avais peur de tout perdre. Donc, une nouvelle fois, c'est l'expérience qui parle, c'est l'expérience qui prime. Et donc, c'est intéressant de voir comment les jeunes se comportent avec des jeux de dés, pourtant très simples, avec des gameplays vraiment ultra efficaces et la prise en main immédiate. Et ça fait plaisir de voir que l'expérience parle. Donc ensuite, on va voir pour les prochains jeux comment ils se débrouillent. Mais je pense que là, c'est bien parti pour que je rafle à peu près tout. Je suis vénère parce qu'effectivement, j'ai eu des balles de match. J'ai eu des balles de match, j'avais une occasion de déstabiliser Thierry sur un de ces jeux. Parce qu'il faut savoir que la sélection des jeux a été faite donc d'un commun accord avec tout le monde. Et c'est Thierry qui avait proposé Smash Tennis. Si je l'avais dosé sur son jeu, ça lui aurait fait un sacré coup au moral. Mais bon, j'ai pas réussi, j'ai pas été là. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est l'aventure. Je sais pourquoi j'ai signé. Maintenant, il va s'agir de se ressaisir. Et d'être plus fort sur les sauts de épreuves. Aujourd'hui, j'ai 2 points. Ça représente 2 points mérités. Que je vais tenter de faire fructifier de manière à ce qu'il se transforme en plus par le truchement de victoires à travers les différentes épreuves. Waouh ! Voilà, c'est sur cette victoire de Thierry que nous nous quittons aujourd'hui. Oh, on est triste, oh là là là, mais on se retrouve demain. Oui, le Red Hat chef de No Life marque les premiers points dans The Game, l'expérience. Il est donc à 3 points et prend ainsi la tête de l'aventure. Mais attention, les autres sont pas encore game over, ils peuvent encore tout gagner. Nombreux seront les autres combats menés dans la salle des défis. Tout peut encore changer. À demain ! Voilà ! Allez ! Hey, on se voit un coup. Ouais, super, j'adore les sondiers. Il y a du draw. Il y a du draw, bien sûr, tu peux faire du draw. Okay, là, on n'a pas vu, mais ensuite, l'écran, il se réduit à mort. Ouais. Et là, c'est vraiment de la fight. Malheureusement, vraiment, avec le lag, on jouait tous à 2 à l'heure. Mais normalement, ça va beaucoup plus vite, tu enchaînes beaucoup plus. Et tu as la technique aussi de la brochette mexicaine, où tu poses une rangée de 1, 2, 3 bombes, tu reviens sur l'avant-dernière et tu la pousses. Pas mexicain. Je sais pas. Je sais pas. Donc elle est plus chaude que les autres. Les deux autres vont